se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, voilà, on est dans le 61. Donc là, on est au G. Alors en fait, là, je suis une petite semaine en vacances à Annecy, comme j'avais dit dans la précédente vidéo. J'étais à Genève faire du vélo. Il y a un petit marcheur qui va rouler doucement. Donc je disais, j'étais à Genève faire du vélo. Donc voilà, on peut voir que j'ai le dirt là-haut. Et puis au retour, j'avais envie de passer par, par Léger, voir, voir comment c'était en hors saison. Donc dans le village, c'est tout mort, il n'y a quasiment personne. À part que normalement, bah, pour ceux qui connaissent un peu Léger, au milieu des Gers, il y a un petit pump trek. Donc là, à la place que ce soit un pump trek, ils ont mis. Ils ont mis une patinoire. Donc voilà, c'est comme ça, il y a un bon, là il y a un petit peu de monde. Donc là on va monter comme cet été tout en haut. Donc sur un bon point de vue où est-ce qu'on voit où est-ce qu'on voit bien le Mont Blanc, la montagne de là-haut, tout ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Il y a des canons à neige. Là, ce qu'il y a. Là, les chemins ils sont hyper roulants là. Ah ouais, je sais pas si on peut. Je sais pas si on voit. Je sais pas ce qu'il y a. Il y aurait des canons à neige à moitié. Ah ouais, c'est des canons à neige. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas de neige. J'aurais pu tester le 61 dans la neige. En haut, ça va être, là ça va être sympa. Il va y avoir des bons petits points de vue. C'est grave stylé. Cet hiver, j'aimerais bien aller là, skier. Donc, je suis pas un pro en ski, j'ai dû skier deux fois dans ma vie. Mais bon, il faudrait que j'y retourne en patrol. Ça devrait être sympa. Et ces pistes là, ça changerait du Mont d'Or l'année dernière. Les pistes de vélo de cet été. Donc il n'y a pas toutes les pistes qui ont été détruites. Il y en a encore qui sont présentes. Ça se coupe. Oh là, ça descend sec. Vachement gras les chemins là. On peut voir les ornières qu'il y a là. Les ornières de ouf. Le chemin a l'air de vachement se rétrécir là. J'espère que je vais pas être coincé. Mais normalement non. C'est gras. Mes belles jantes toutes neuves. L'avantage que je l'ai rehaussé, que j'ai mis les pneus en 33, c'est qu'au moins l'attelage, même dans les fossés ou quoi, ça touche pas. Ça c'est cool. Le truc qui est chiant, c'est que là, je suis en deuxième pied dedans, il n'y a pas de coupe, il n'y a rien.
avec la pompe électronique, ça, c'est... Enfin, la pompe électrique plutôt, c'est la misère. Même en première, elle repart même pas. Je suis obligé de me mettre en 4 courtes. Il a rien dans le sifflet, le marchand. D'origine par contre c'est bon à rien, franchement vivement que je fasse une petite reprogrammation. Surtout j'espère gagner un couple. Là on va prendre un petit bout de route pour après arriver dans des petits pierriers en gros. Pour avoir un petit peu plus sympa. Oh, les chemins ils sont défoncés. En vélo, normalement pour aller DG à Morzine, on arrive par là, on a une petite montée à faire en vélo et puis après on redescend tout. Donc, tout ça, normalement, c'est piste de ski. Là, on va prendre la route qui remonte comme ça. De route et puis après on va remonter à un petit endroit sympa. Le mec avec ses deux chevaux il promène son chien. Excellent. On peut voir comme ça souffle par contre. Après ça on se rend trop compte. Donc c'est là-bas qu'on va monter, tout en haut. Un peu de neige là-haut, pas grand chose. Donc là, il va falloir prendre un peu d'élan pour monter ça. Pour éviter de monter en 4 roues. Soit on la monte en 4 courtes. Je
j'essaie de mettre en 4 roues moi. Juste en 4 roues. Et après je vais la monter en 4 roues. Ou alors je mets une deuxième et la monter à bord. Première en 4 longues tranquillement. Et dire que nous il y a 3 ans au début quand on venait avec Benoît tout ça, ben celui-là, ce TSG là il était en construction. Là, on pourra pas voir le Mont Blanc parce que normalement il est caché juste derrière. Donc déjà il y a une bonne petite vue sympa. Je vais faire des petits plans d'extérieur avec le pétrole. Ça va être sympa. Là la vue elle est juste trop belle. Ici il y a un peu de vent. Franchement c'est un des plus beaux points de vue que je connais que j'ai fait, pas par rapport au G ni les Alpes tout ça, mais par rapport à la Corse tout ça, franchement c'est un des plus beaux points de vue. Le Mont Blanc on peut voir juste là-haut, là. Le petit lac. Aller en haut, on redescend tranquillement et puis je pense que cet hiver on reviendra là. Ah bon, là ici à remonter là cet hiver, je pense que ça va être compliqué parce qu'il y aura plein de neige, tout ça. Et voilà, c'était une petite vidéo vite fait avec le 61. Je vais essayer d'en refaire une autre à la montagne aussi parce que c'est quand même sympa. Bon voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.